ici, non, bord de Loire. Ben oui, on est ici à Vouvray, on est près de Tours, sur la rive droite de la Loire. Et ici, tu vois, ce vignoble sur lequel on est appuyé, eh ben, il s'est développé à partir du 5e siècle. Oui, donc Vouvray, qui est connu pour ses cépages de vin blanc, exclusivement le chenin, c'est une aire de production d'environ 2000 hectares. Ah oui. Ben là, nous nous trouvons sur le domaine Huette, qui a été créé en 1928, et qui a été repris il y a une trentaine d'années par Noël Pinguet, qui fait un des meilleurs moelleux de France. Ouais, ça c'est vrai. Alors écoute, Noël Pinguet, c'est vrai que c'est une figure de Vouvray et un grand monsieur du vin qui est connu aussi pour vinifier trois vins blancs secs, demi-secs et moelleux. J'oublie le quatrième, un vin pétillant, qui sont issus d'une agriculture en biodynamie. Biodynamie ? C'est quoi la biodynamie ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Écoute, on a rendez-vous tout à l'heure après notre petite sieste avec Noël Pinguet, justement pour un cours littéral sur la biodynamie, pour qu'il nous explique la magie de ces vins de chenin de bord de Loire. Mais après la sieste. Hein. Ouais. Tu veux un petit raisin botrytisé là ? Tiens, regarde. Ouais, rien. Il est un peu vert, mais botrytisé après. Ouais, pas mal là. Pas mal, hein. À tout à l'heure. Bah écoute, on est au Clos du Bourg ici, donc a priori. Alors, Noël. Ah si, on va voir Noël Pinguet. Il travaille. Bonjour. On vous a trouvé. Bonjour. On vous a trouvé. Oh, je ne suis pas si difficile que ça à trouver. Bonjour. 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 On a trouvé la bonne parcelle, on est au Clos du Bourg. Ah tout à fait, là c'est le Clos du Bourg, cette parcelle un peu mythique, disons, juste au-dessus du village de Vouvray, là on peut apercevoir le clocher. Alors, on est venu vous trouver pour avoir un petit cours de biodynamie, parce que vous dites souvent que la Terre et l'univers planétaire et puis stellaire sont liés et que leur vie dépend d'influences cosmiques. Cosmiques. Bon, alors on va essayer de faire simple, si vous voulez. Bon, moi, ça ne me dérange pas de croire que le végétal subit l'influence de tout ce qui l'entoure. Bien sûr. Il y a quatre éléments fondamentaux qui sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Et chaque zodiaque est associé à un de ces éléments. Alors, pour faire simple, ça veut dire que si on veut développer l'élémentaire de la vigne, par exemple, qui sont les racines, on va faire certains travaux quand la Lune se trouvera devant l'élémentaire. Donc, on a un calendrier qu'on appelle le calendrier des SMI, qui est un calendrier astronomique qui nous donne la position des planètes par rapport au Soleil, qui nous donne toutes les positions des planètes. Et on va intervenir dans certains travaux sur la vigne, en fonction de cette position des planètes. Et vous avez constaté une différence dans la manière dont vous travaillez ou dans le comportement de la vigne ? Alors moi qui suis, disons, de formation mathématique et cartésien, j'ai découvert la biodynamie il y a 20 ans. Donc j'ai d'abord fait un essai ici, d'ailleurs, au Clos du Bourg, dans cette parcelle-là, qui fait 6 hectares. On a pris un hectare et on a appliqué la biodynamie. Et ensuite, on a constaté, on a regardé. J'ai constaté que les résultats étaient suffisants, que la luminosité du feuillage était différente. La teneur en sucre était différente, l'acidité, toute la structure du vin était différente. C'est le principe de l'homéopathie. Si vous voulez, on peut dire que la biodynamie, c'est l'homéopathie appliquée à la vigne en tenant compte des rythmes planétaires. Et bien avec ça, si on n'a pas des vins magiques. Dire c'est magique, je ne sais pas, mais moi, je constate depuis 20 ans qu'avec aucun produit chimique de synthèse, aucun désherbant, aucun insecticide, avec des produits naturel, sans aucun produit chimique, je ne pollue pas les sols, je ne pollue pas l'environnement, mais j'ai un produit naturel et qui, paraît-il, est bon. Pourquoi se priver de cette méthode ? Alors c'est vrai que cette méthode-là, je ne la comprends pas. Je suis incapable de me mettre devant un tableau noir et puis vous dire, voilà, pourquoi ça marche. Alors en ce moment, vous êtes en pleine vendange. Oui, nous sommes... Alors comment vous vendangez vos raisins ? Vous attendez que le botrytis soit vraiment... Oh, quand il y a du botrytis, on le prend. Mais si vous voulez, attendez, je cherche une grappe où il y a... Parce que là, on est déjà vendangé. Mais par exemple, si je prends cette grappe-là, là, vous voyez, là, on a un peu de botrytis. Donc quand on va trier, on va couper la grappe de manière à prendre uniquement le botrytis. D'accord. On va laisser le reste et on repassera dans 8 jours ou dans 15 jours ramasser le reste. C'est comme ça qu'on peut produire, mais vous verrez la dégustation après, oui. On peut produire des vins secs, demi-secs et moelleux en choisissant les raisins dans la vigne qui ont une maturité, une quantité de sucre différente. Donc maintenant, je vous propose d'aller déguster et de se faire plaisir avec quelques bouteilles, j'espère. Je suis.
ici, on est à Bouvray et on produit donc un vin qui est un vin effervescent. Mais quelle différence y a-t-il avec le champagne? La technique est exactement la même, mais il est produit à Bouvray au lieu d'être produit en champagne. Donc c'est un vin effervescent, qui est élaboré de la même manière, avec fermentation en bouteille, remuage, dégorgement, etc. Mais disons que ça existe à peu près depuis 1830 à Bouvray. Donc c'est quand même pas tout à fait récent. On a une certaine notoriété. Donc la méthode est la même, sauf que le cépage change. Ici, on est donc en cépage chenin, vinifié de manière traditionnelle. Tout à fait. Je vais vous faire une petite présentation, disons, ce que peut être le Bouvray. Alors d'abord, c'est un pétillant. Donc là, on va goûter un pétillant 98. Vous voulez l'ouvrir pendant que je vais commencer à déboucher les autres bouteilles? Ça me ferait plaisir, parce que c'est une chose que mon père m'a apprise, c'était à déboucher une bouteille de champagne ou de vin pétillant. Et il m'avait appris qu'il fallait bien saisir la bouteille dans la main tourner la bouteille, on va voir. Pas le bouchon. Oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. On va voir si j'ai... Et normalement, on doit entendre un tout petit bruit et pas le... Un soupir. C'est bien. Donc 98, on a donc un vin effervescent qui a 10 ans. Mais ça peut garder un pétillant. Dans notre cave, nous avons encore les plus vieux pétillants que j'ai bu. C'était du... Oui, j'espère bien encore en boire, parce qu'il nous reste quelques bouteilles. Du pétillant 34 et du pétillant 37. Bonne dégustation. On se met en condition. Donc là, vous avez une finesse de bulle, vous avez en bouche un peu d'amertume, on est un peu sur les fleurs blanches, on est pas mal de choses, bon, un peu pain grillé, on est un peu dans ce style-là. Mais ça, il ne faut pas oublier que chacun a sa propre palette aromatique. Les confitures que vous avez mangées quand vous étiez gamin, elles ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc vous avez votre patrimoine gustatif, si vous voulez, que vous avez emmagasiné au fur et à mesure des années, qui n'est pas le mien. Donc c'est pour ça que je préfère que les gens cherchent eux-mêmes leur patrimoine gustatif. J'aime produire des vins ou servir des vins qui ont leur typicité et leur caractère. J'aime pas des vins neutres, j'aime pas des vins qui n'ont rien à dire. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'acidité, le sucre et l'alcool. Il ne faut rien qui domine. Il faut que tout ça soit fondu en bouche et qu'on ait l'harmonie dans la bouche. Pour comprendre le Bouvray, on ne peut pas goûter un seul vin. Parce que nous avons des vins effervescents, des secs, des demi-secs et des moelleux. Est-ce qu'il y a des années où vous ne produisez aucun moelleux? Oui. Vous choisissez les millésimes? Oui, il y a des années où je ne produis aucun moelleux, il y a des années où je ne produis aucun sec. 2003, par exemple, l'année de la chaleur, où là, on avait une concentration d'un jus de raisin importante, on n'a produit que des moelleux. Ça, c'est le problème du réchauffement de la planète. Est-ce qu'il commence à peu nous poser des problèmes? Parce que l'ensoleillement est de plus en plus fort, les températures sont de plus en plus élevées, on obtient des jus de raisin avec des quantités de sucre de plus en plus importantes. Alors on va goûter ce sec? Oui, parce que d'en parler c'est bien, mais il faut quand même... Alors là on est un peu sur les amandes grillées, on est un petit peu... Je trouve, je sais pas, vous pouvez très bien ne pas me suivre. Qu'est-ce que nous avons fruité ici pour un sec? Parce que je n'aime pas les secs à l'origine, et là je trouve... Je n'ai pas le vocabulaire. Hein, mais... Vous savez, le vocabulaire des pseudo-dégustateurs qui veulent vous en mettre plein la vue en vous donnant tout un tas de termes plus ou moins plus nébuleux les uns que les autres, ça, c'est pas du tout mon style. Fruité, c'est normal, si vous voulez. Bon, c'est pas parce qu'il est sec qu'il n'a pas de richesse aromatique. Ah, c'est ça, c'est la richesse aromatique dont la vous parlez. Richesse aromatique, parce que quand vous ramassez des raisins qui sont mûrs, vous avez automatiquement quelque chose derrière. Alors, moi, je trouve que ce cépage chenin, c'est généreux en termes d'arôme, hein. Ça donne, c'est plein, c'est... Ah oui, non mais quand ils sont bien faits, c'est comme ça qu'ils doivent être.